public. Mécontentement, tristesse et inquiétude sont des signes qui se lisent sur le visage de ces enseignants contractuels non admis au concours d'intégration à la fonction publique. Ces professionnels de l'éducation dénoncent des irrégularités qui, selon eux, ont compromis l'équité du processus de sélection. Ce n'est pas parce que nous sommes opposés à ces résultats, mais nous avons constaté quelques anomalies au niveau des résultats. Il y a les noms qui figurent sur ce résultat, ce n'est pas le nom des anciens contractuels. Le nombre d'enseignants que l'ETA a jugé nécessaire de recruter, le nombre n'est pas atteint. Si Kankan Traoré est le nom d'un contractuel, qu'on cherche vraiment Kankan là, c'est le prénom de quel contractuel. Et en plus de ça, ce qui est plus marrant, nous avons constaté la présence des intrus sur le résultat. Parce qu'il y a les écoles où les vrais contractuels ont été remplacés par des intrus, par les inconnus que nous-mêmes ne connaissons pas. Les chefs d'établissement sont témoins. Ça, ce n'est pas caché. Dans cette lutte pour la justice et l'équité, ces enseignants espèrent une réaction des autorités qui restaurera leur dignité et leur passion pour l'enseignement. Nous voulons dire à l'État de faire une revue sur les résultats, de nous engager tous à la fonction publique. Nous sommes tenus obligés de prendre nos destins à main, faire comprendre à l'autorité administrative et éducative que vraiment nous traversons une période très difficile, très pénible. Ils n'ont qu'à nous engager. La souffrance qu'on a faite, c'est Dieu seul qui voit et Dieu seul qui connaît. Ces voix qui appellent à une réforme du processus de sélection et à la reconnaissance de leur travail déplorent également le comportement des responsables de la Coordination nationale des enseignants contractuels qui, pour eux, n'a pas suffisamment soutenu leur cause. Plus qu'on a publié les résultats, moi je pensais que moi, la Coordination nationale ou les coordinations régionales ou s'il faut du préfectorat, allait convoquer une réunion en faisant comprendre aux enseignants contractuels communaux non retenus qui sont en train de se battre pour nous rétablir dans nos droits. Mais si eux-mêmes ils connaissent qu'il y a les noms, il y a les intrus dans les résultats, ils ne déclarent pas cela, c'est marrant. En tout cas, ces professionnels de l'éducation ne semblent pas prêts à accepter pour le moment leur sort. Nous sommes et resterons toujours au service de l'éducation guinéenne.